Pour son mémoire de fin d'études, Alan mène une enquête sur les salaires envisageables selon le diplôme obtenu. Les trois éléments suivants lui semblent particulièrement intéressants. Alors d'abord, Michael Jordan, la star du basket, est diplômé en géologie de l'Université de la Caroline du Nord, UNC, aux États-Unis. Ensuite, les trois majors de l'école polytechnique de Paris ont été embauchés dans la même entreprise, avec exactement la même fonction et le même salaire. Et puis enfin, parmi les 35 diplômés en finance de l'Université d'Oxford, 32 sont devenus des consultants à très haut salaire, et les trois autres sont au chômage. Alors ce qu'on nous demande, c'est de remplir ces phrases-là. La première, c'est pour les diplômés en Géologie de l'UNC, le salaire médian est probablement, alors c'est ce qu'il faut remplir, donc c'est supérieur, égal ou inférieur au salaire moyen. Pour les ingénieurs de Polytechnique, on nous demande la même chose, le salaire médian est probablement supérieur, égal ou inférieur au salaire moyen. Et puis la même chose pour les financiers de diplômés d'Oxford, le salaire médian est probablement supérieur, égal ou inférieur au salaire moyen. Bon, alors, j'ai copié cette page, on va, on va travailler dessus. On va commencer par répondre à la première question, donc on va s'occuper des diplômés en géologie de l'UNC. la seule chose qu'on sait, c'est que euh, Michael Jordan est diplômé de cette théologies. Bon, on sait aussi que lui, comme c'est la star du basket, probablement, il a, il gagne, il a un salaire très élevé. Hein. On va parler de salaire annuel. Alors donc, pour les diplômés en géologie de l'Université de la Caroline du Nord, hein, de l'UNC, on va, grosso modo... Euh, on va faire un petit dessin pour, pour représenter la distribution des salaires de ces diplômés-là. Alors, en gros, on peut faire ça comme ça. On va, faire un on va placer les, les, les salaires. Donc, on va dire qu'il se peut que là-dedans, dans, dans ces diplômés-là, il y en a peut-être qui n'ont malheureusement pas trouvé de travail. Donc, ils ont un salaire nul. Salaire, ils n'ont pas de salaire. Puis, il y en a d'autres qui ont peut-être, disons, un salaire, de, un salaire annuel hein, de 30 000, 30 000 euros. Donc, j'écris ça en kilo euros, là. Hein. 30 000 euros. Il y en a d'autres qui ont peut-être un salaire annuel de, disons, 100 000 euros. Hein. Et entre temps et, et entre ça, il peut y avoir d'autres valeurs. Et puis, il y a, a peut-être certains qui ont, qui ont de très bons salaires, hein, plus de 100 000 euros. Et puis, il y a aussi ce Michael Jordan. Alors, Michael Jordan, lui, je ne sais pas combien il gagne exactement euh, par an, mais bon, il a probablement un salaire euh, vraiment... Ça doit se compter peut-être en millions d'euros, enfin, j'ai aucune idée, mais en tout cas, ça sera, ça sera plusieurs centaines de milliers d'euros. De donc, euh, il est beaucoup plus loin sur cette ligne, donc je vais faire comme ça hein, pour montrer que... Voilà. Et ici, c'est Michael Jordan. Alors, maintenant, je peux essayer d'imaginer une distribution, Alors, ça ne sera pas forcément exactement ça, mais je vais essayer, je vais tracer un histogramme qui est... Qui, qui va peut-être nous aider à, à comprendre un peu ce qui se passe, à représenter un peu la distribution de ces salaires des diplômés de géologie de l'UNC. Donc il y en a peut-être quelques-uns qui, euh, qui ont un salaire de zéro. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont un salaire un peu plus, qui ont un salaire de moins de 30 000 euros, disons euh, 15, salaire annuel. Voilà, donc ça va faire un bâton comme ça. Des salaires de 30 000 euros, disons qu'il y en a un peu plus. Peut-être que le salaire le plus probable, c'est 50 000 euros. Donc 50 000 euros, on va le mettre ici. Donc ça, là, il y en aura un peu plus qui auront 50 000 euros. Et puis, il y en a d'autres qui, qui vont gagner 60 000 euros par an. D'autres qui vont gagner 70 000 euros par an. Là, là, je fais vraiment des suppositions. Il y en a quelques-uns, peut-être, qui ont gagné 100 000 euros. Et puis, d'autres, un peu plus de 100 000 euros. Voilà. Et puis il y a ce Michael Jordan, donc qui est ici. Alors, en fait, ce qui se passe là, c'est que dans cette distribution, on peut imaginer que la plupart des données seront euh, regroupées par ici. Hein. Et puis il y a cette valeur très extrême qui est celle de Michael Jordan. Hein. Et en fait, ici, le salaire de Michael Jordan il va, il, va, il va avoir pour effet d'augmenter beaucoup la moyenne. La moyenne va être tirée vers, la, vers des valeurs élevées à cause de ce salaire très très élevé, beaucoup plus élevé que les autres de Michael Jordan. Alors que le salaire médian, c'est la médiane de cette distribution, et ce, et ce salaire médian, c'est donc le salaire qui partage la population en deux, en deux parties égales. Donc les, ce salaire médian n'est pas du tout affecté par la valeur extrême de... par le salaire de, de Michael Jordan, qui est une valeur très extrême dans cette série dans cette distribution. Donc finalement la situation c'est que on va avoir une moyenne qui va être très augmentée euh, par le salaire élevé de Michael Jordan et par contre la médiane elle ne va pas être affectée par cette valeur. Donc finalement, il est probable que le salaire médian soit inférieur au salaire moyen. Donc ça je vais le faire, je vais le remplir ici. On va dire que pour les diplômés en géologie de l'UNC, le salaire médian est probablement inférieur au salaire moyen, puisque le salaire médian n'est pas affecté par cette valeur très extrême, alors que la moyenne oui, la, la moyenne l'est, elle est augmentée euh, par le, le salaire de Michael Jordan, qui est, très, qui est une valeur extrême. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des trois majors de l'école polytechnique de Paris, qui ont été embauchés dans la même entreprise avec exactement la même fonction et le même salaire. Alors là... Ben on peut, par exemple, pour fixer les idées, on va dire qu'ils gagnent tous 60 000 euros. Donc, dans ce cas-là, on va avoir, je, je, je fonctionne comme tout à l'heure, en, en, en kilo-euros. Donc, disons que le premier gagne 60 000, le deuxième gagne 60 000 aussi, et le troisième gagne 60 000 aussi. Donc, quand je vais calculer la moyenne, je vais avoir 60 plus 60 plus 60, et comme il y a trois données, il faut que je divise par 3. Donc, finalement, j'ai 3 fois 60 divisé par 3. Donc la moyenne ici c'est 60, puisque, bon, on aurait pu le dire tout de suite puisqu'ils puisqu ont tous les trois le même salaire, la, la moyenne c'est le salaire lui-même. Hein. Alors euh, quand on veut calculer la médiane de cette série, on, on aurait pu prendre d'autres valeurs, ça serait exactement la même chose. Hein. De toute façon, on aurait 3 fois le salaire divisé par trois fois par 3. Donc la moyenne, c'est exactement le salaire. Alors, de la même manière, si on veut calculer la médiane de cette série, ben, on doit commencer par ranger les données. Dans l'ordre croissant, bon là il n'y a pas d'ordre croissant, les trois salaires sont identiques, donc on va avoir 60, 60 et 60. Et le salaire médian c'est la médiane, donc c'est le milieu de ces données là. Donc le milieu ici bah, c'est 60. Et donc la médiane elle est égale à la moyenne. On aurait pu là aussi hein, pour calculer le salaire médian, donc pour calculer la médiane de cette distribution, on aurait pu prendre une autre valeur, ça serait exactement pareil. Donc finalement pour cette question, pour cette phrase là. Le salaire médian est probablement égal au salaire moyen. Donc je vais le remplir, mais là, je voudrais quand même signaler qu'il y a écrit probablement, alors que là, c'est pas probablement, elle est. Euh, elle est. Le salaire médian est égal au salaire moyen. Donc, je vais le remplir. Le salaire médian est égal au salaire moyen. Voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper de la dernière question. Donc, la dernière question, ce sont les diplômés en finance, les 35 diplômés en finance de l'Université d'Oxford. Alors pour cela on peut procéder de la même manière, on va faire un petit dessin aussi. Donc on a ici des... des ils sont 30, 35, hein, 35 diplômés en finance de l'université d'Oxford. Et parmi ces 35, il y en a 32 qui sont consultants et qui ont des très hauts salaires. Alors je vais tracer comme tout à l'heure la distribution. Donc on va commencer par des salaires nuls ici. Et puis euh, bon, je ne sais pas ce qu'on peut considérer comme un salaire très élevé, hein, ça dépend de qui, de qui on parle. On va dire que c'est au-dessus de 5, entre 50 et 100 000 euros. Hein. Voilà, ça, ça va être des salaires. Donc plus de 50 hein, pour des salaires très élevés. Donc là-dedans, il y a 32 personnes qui ont des salaires très élevés. Donc on va placer ici 32 points. Donc il y en a peut-être 2 euh, qui ont un salaire de ici 70. 10. Il y en a peut-être 3, 4, 5 qui ont un salaire de 80. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...

32. Voilà. Donc là, j'ai placé 32 points au hasard, mais dans, dans une zone qui correspond à des salaires très élevés. Alors ça, ce sont nos 32, nos 32 très hauts salaires. Hein, 32 très, très, très hauts salaires qui sont ici. Et puis on en a aussi trois autres qui sont au chômage. Je vais prendre une autre couleur. y en a trois autres qui sont au chômage. Alors ceux-là, puisqu'ils sont au chômage, ils ont un salaire nul. Donc en fait, dans notre distribution, on a euh, tout ce, ce pool de 32 personnes qui ont un salaire très élevé, mais on a aussi ici les trois personnes. Ces trois personnes-là qui ont un salaire nul. Et en fait, on est exactement dans la même situation que tout à l'heure pour euh, Michael Jordan, parce que là, on, on a une série avec trois valeurs extrêmes qui sont, contrairement à tout à l'heure, là, ce sont des valeurs extrêmes très faibles. Et donc, elles vont plutôt tirer la moyenne vers, vers une valeur faible. Elles vont, la, elles vont la diminuer. Elles vont diminuer la moyenne. Alors que la médiane, elle, la médiane, ça, elle sera par, probablement par ici. Hein. Bon, évidemment, je ne peux pas calculer la médiane, en tout cas, là, le mode, c'est ça. La médiane, ça sera dans cette zone-là. Et, et cette médiane, elle ne sera pas affectée par ces trois valeurs-là. Donc, finalement, il est très probable que le salaire médian, donc la médiane de cette distribution, soit supérieur, cette fois-ci, au salaire moyen, puisque le salaire moyen, c'est la moyenne des salaires. Et cette moyenne des salaires, elle est affectée par les trois salaires nuls, trois salaires donc très faibles. Et, et du coup, euh, à cause de ces trois salaires faibles, la moyenne va, le salaire moyen va, être, va diminuer. Voilà. Donc là, probablement, le salaire médian est inférieur au salaire moyen. Alors, je vais le remplir là. Il est inférieur au salaire moyen. Voilà. Alors maintenant, on clique pour vérifier. Et voilà, c'est bon.